Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien alors qu'on va partir à la découverte de Sunset Overdrive, un jeu Insomniac Games, un jeu de 2016 je crois, j'ai un doute. Non, 2018 c'est écrit en bas, 2018, ah oui, le jeu a 4 ans, c'est ça. Pourquoi je sais pas pourquoi je voyais 2016. Donc bon, on est parti pour une nouvelle partie hein. Hop, j'ai jamais touché au jeu. Ah ouais, sauvegarde corrompue, alors ça j'ai pas trop compris hein. J'ai lancé le jeu, sauvegarde corrompue, j'ai envie de te dire supprimer hein. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y avait ça. Alors là, il faut qu'il m'explique. Elle vient d'où la soirée? Ah, j'avais pas autant juste. Alors là, je vous avoue que. À rien comprendre. On va créer notre perso. Alors le délire, c'est que. J'ai joué Boya récemment, je réfléchis. On a joué qu'un jeu avec des mecs. Alors je me dis, on va peut-être se faire une gonzesse. Voilà, j'ai envie de faire une femme. Bon, on verra les cheveux après, j'avoue que là c'est un peu particulier. J'aime bien ce visage. Je fais un peu le tour. Hein. Oh, les yeux ils sont chelous. Est-ce qu'on peut changer la couleur de peau ou c'est fourni avec? Oh, elle a une bouche elle. Elles ont des bouches même, devrait dire. C'est les dents. Alors elle, elle a un peu abusé sur les dents. J'aime beaucoup cette tête. Alors le truc, c'est de toute façon, je peux peut-être revenir en arrière. Donc on va choisir d'abord ça. Qu'est-ce qu'on nous brochait? C'est quoi? C'est les cheveux. Ok. Donc là, on a la Half Hawk. Ébouriffé. Vague, c'est sympa. On peut tourner. Stylet. 13, non. Ça c'est quoi, tresse, ouais sympa. Rat, non, ça fait un peu mec. Néo carré. Glam rock. Bah, c'est un jeu qui a l'air très débridé. Hein. On va pas se mentir. Coupe déstructurée, ouais ok. Double couette. Non, pas fan. Chignon, ouais c'est plutôt cool. Carré, non. J'ai choisi une femme, c'est pas pour moi. Un rockabilly. Mais j'ai choisi une femme, c'est pas pour me retrouver avec une coupe de mec. Aucun. Non, bah, je vais partir sur... Qu'est-ce que j'avais vu, moi non. Ça, c'était sympa, non? Il y avait une autre. Les tresses sont sympas, en fait. J'aime beaucoup, même si j'aime pas trop l'avant. Vague, voilà, j'aimais bien vague. Je trouvais ça sympa. Tac. Ah, couleur de base. Autre couleur cheveux. Ah ouais, on peut se faire des délires. Oh, c'est stylé en vrai ça. Alors ça tombe bien, moi je vais me faire un effet comme ça là prochainement. J'ai envie de me taper un délire comme ça dans la vraie vie, je parle. Non, je vois déjà les gens. On dirait qu'est-ce qu'il raconte lui. Alors est-ce que je prendrais pas le même genre? Allez. Et on essaye de le fusionner avec un autre. Voilà les mèches. Oh blanc, c'est sympa. Rouge, je vois pas trop. Violet, sympa aussi. Ça fait un petit peu trop bleu. Attends, il y avait du orange, là, j'ai pas rêvé. Ah ouais, parce qu'en fait... Bah non, pourquoi ça m'a fait l'effet orangé, la rouge. Jaune, ça fait un petit citron. Ah, voilà, c'est ça. Bah non, je suis sur du vert. Ça bug des fois, ça donne pas la bonne couleur. Je comprends pas tout, des fois. Hein. La mixité des genres. Moi j'ai envie de faire le mix-up avec le blanc, je le trouve stylé. Le rouge aussi, c'est sympa. Mais ça, mais ouais, des fois ça change la couleur au-dessus. Regardez là, ça fait violet alors que je suis sur l'orange. Mais ça me donne, voilà, ça me donne pas l'orange et ça garde pas mon bleu. On va partir sur ça, je pense. Est-ce qu'on a le droit d'autre? Moustache, barbe. Ça, vous me connaissez, je suis capable. Les roues flaquettes. Ah, les favoris, pardon. Ça, en vrai, je suis capable. Vous le savez, vous me connaissez. Quoi, je la mets comme ça, blanche. On pourrait croire que c'est une fausse barbe mode Père Noël. Mais non, on va pas déconner. Couleur des yeux. Bleu, on les voit bien, c'est stylé comme ça. Waouh, ça c'est stylé.
Ça doit vraiment pop comme ça? Ah ouais, non, mais là, ils sont partis dans un délire. Waouh! Mode alien. Alors, soit on garde normal, soit on lui met des yeux atypiques. Ça, on peut faire croire qu'elle est aveugle. C'est pour ça qu'elle est trop forte. Les yeux de Sauron, là. Allez, je mets violet. Je vais activer le filtre à grossièreté, l'option moins gore. Non, je veux pas de filtre. Dans la merde, ok. Ça fait très comics. Casse. Faut que j'avance. Bah, c'est très fluide quand même dans la façon de bouger, même si l'animation est pas folle. Faut que je rentre, ça monte un truc là-bas. Mais c'est quoi, genre en mode démerde-toi ou en mode... Non, lui... Ouah, c'est le bordel en vrai. Non, je peux Faut pas que je grimper. traverse la rue. Ah ouais, c'est vraiment très... On va Par contre, faire preuve de c'est super créativité. sensible. On me dit faut grinder, je grind, hein. Ouais, fallait juste lui faire peur. T'es dégueulasse, toi. Ok. Ça va, c'est assez intuitif quand même, mine de rien. Ouais, t'avais un flingue. Oh, cool, mon premier flingue. J'ai l'impression que c'est un pénis. Excusez-moi avec la double noix. Je t'oublierai pas, gars que je connaissais pas. Restez au-dessus de lui. Je sais pas où il fallait aller, mais... Ne pas rester... Non, pas par là. On va déjà crever, je sais pas où il faut aller. Attends, je suis censé aller où en vrai? Moi, je pense qu'il faut aller là-bas. Ouah, je suis tout retombé. Ne pas rester au sol. Ouais, bah ça, j'avais capté.
Eh, c'est pas évident. Mais tellement la pression en vrai. Ah, il y avait un truc là. Ouais, mais je fais quoi avec ça? C'est bon. Un freeze, on va savoir pourquoi. Ne pas rester au sol. Ah, mais il faut juste les tuer. Ah oui, deux sur 8, d'accord. Ah, j'avais pas fait gaffe à ça, je viens de lire en vrai. Ouais, un jour il faut lire. D'accord. Moi je croyais qu'il y avait une sortie, d'accord, je suis en mode arène là. Dire prévenez. Restez au-dessus de. Ok, donc il fallait savoir ça. La grosse bébé, hey, c'est un bulldozer son bras. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Bon, ça nous apprend les bases, hein. Par ici, sale fils de pute. Carrément. Ça va être le jeu du trashot. Merci, l'ancien. Ah, l'ancien. Je vais enfin pouvoir rentrer à la maison. J'habite ici, il paraît. Je sais pas si ça va suffire, ça. Une binouze. Il y a de la réserve. Faut pas oublier d'acheter une bière. Bon, l'ambiance est plutôt cool hein, pour démarrer. Le délire est là. Akia! My bad, je casse tout. Ah, ok, ça met pause direct, ok. Non, parce qu'en vrai, j'ai même pas regardé l'heure à laquelle j'ai commencé. Je voulais voir qu'il n'y ait pas de soucis. Mais non, mais d'accord, pas de soucis. Ça met pause direct, pas de problème. Oh, il y a une rave. Ah, ça va nous montrer comment ça a démarré en fait, non? Ah, nous, on nettoyait. Ouais, ça déchire, ouais!
de notre Energy Drink nouvelle génération dans quelques semaines. Mais ce soir, elle est là pour toi, Sunset City. Et ouais. Et voici en exclu Uber mondial pour vous, Overcharge. Ouais. Trop fort. Allez, on s'ambiance. Oh, c'est dégueulasse. Là, j'avoue que ça mérite de lui mettre un petit shoot quand j'aurai des armes, quand je retombe dessus en mode... Je déteste comment ils appellent, je sais plus ça, overdosé ou je ne sais plus. Mais genre, elle joue au jeu. Spider Sense. Recule, mec, ou je t'explose. Bon, on a la barre à mine qu'on n'avait pas. Schrödinger, le chat dans la boîte. Ouah, cet effet. Plus d'uniforme. Non, on peut personnaliser, cool. Ah, je peux retoucher, ça c'est bien. Ah bah la peau aussi en fait. Pin-up, c'est cool. Ça fait très néon, j'adore. Je kiffe. Oh, j'adore. Attends, faut que je vois ça. Oh, le masque aussi bandidos, mais on voit plus. J'adore les masques aussi. Celui-là est très cool. Mais on va rester peut-être sur lunettes de soleil. Oh, ça, j'adore. Ça va avec mon rouge à lèvres. Ah, mon rose à lèvres, pardon. Un couvre-chef. Ah, trop grand, c'est dommage. C'est pas très beau. C'est quoi ça, chapeau tambour? Ah mais non, ça c'est hideux. Ça aussi. Ah, je peux choisir mes sous-vêtements. Si ça c'est pas cool. Pas loin du plus simple appareil. Alors attends. Ah, je pourrais en mode rien du tout, d'accord. Chemise. Oh, ça c'est stylé. C'est plutôt cool. Effet superposé. Ouais, je suis pas fan. Le haut court. Hein. Maillot de baseball. Ouais, c'est vite fait. Maillot à manches longues. Ouais. Polo. Ouais, c'est un peu ce qu'on avait. Hein. Ah, les t-shirts, il y en a des cool. De toute façon, j'imagine qu'on peut changer quand on veut. Moi, j'aime bien la chemise hawaïenne. Mais pourquoi la version ouverte? Ah, en bleu, comme ça irait bien avec ses cheveux. Par contre, ouais, on va changer les sous-vêtements, alors. En mode comme ça. Veste. Ah, je peux mettre une veste par-dessus ou une veste en jean. Ouais, c'est pas très joli avec ce que j'ai choisi. Ça, déjà, c'est un peu plus cool, mais gants. On n'a pas de gants. Peut-être qu'on va pouvoir débloquer. Peau, alors par contre, je ne sais pas. Par contre, il n'y a pas de... Ah si, bas. Voilà, j'allais dire, il n'y a pas de bas. Alors, on a quoi? Je suis où, moi? Là, je suis en mode sous-vêtement. Bon, on va mettre une culotte. Hein. Bas. Alors, attendez, je commence du haut. Okay. Ah ouais, non, mais on peut vraiment se promener en mode je suis à Walp. Le jean, non, c'est pas beau, c'est pas beau. Legging, encore. Les chaussures avec ça, putain, les chaussures, c'est quoi ces chaussures? Ah non, mais ça, c'est pas beau non plus. Ça, encore, ça va.
Un tweed. Short de sport. Non, mais c'est quoi ces shorts? Pardon. Short. Non, non, je peux pas ça. C'est. Ah putain, je sais pas. J'avais quoi moi? Au pire, un legging de couleur. Ouah, ça c'est stylé. Alors, on va mettre ça pour l'instant. Les chaussures, par contre, ça déconne un peu. Je préfère encore être pieds nus. Non, mais c'est quoi cette taille de chaussures? Il vous arrivait quoi avec les chaussures, les gars? Bon, limite bottes de moto, pourquoi pas. Oh, des Vans! Ah, là, je suis refait. Mais par contre, oh, des tongs! Ah, ça, je suis fan aussi, les tongs. Ah, les tongs, j'avoue que ça me fait plaisir. Ah, j'hésite. J'hésite avec les. Ouais, mais les Vans, elles font trop grosses. C'est quoi ce délire? Les bottes aussi, elles font un peu balèze. Ça passe encore. Franchement, en blanc comme ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on avait? Non, mais les baskets, babies, c'est quoi? Non, mais c'est moche. J'ai dit, je préfère encore pieds nus. Peau, je comprends rien. Tenue. Donc, ça, c'est type de corps. Oh putain, ça déchire. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Pardon. Oh là là. Ce biceps. Ah, je peux changer mon visage quand même si je veux. Après, j'aurais pu lui donner un style asiatique aussi. J'aimais bien. Mais je trouve qu'elle a les yeux un peu trop grands. Ce visage-là, comme ça. Oh non, mais cette mâchoire. Je sais pas, le style typé asiatique, ils avaient un problème. Ils ont fait des yeux énormes, je trouve. Parce qu'après, c'était stylé. J'aimais bien aussi. Mais non, je préfère rester sur ce que j'avais. C'était lequel déjà? Sinon, on a un mode un peu plus métisse. Alors, je garde ce que j'avais. Ok. Ah non, en vrai, il n'y a rien. Il n'y a pas de bière. Walter, il déchire. Suis-moi. T'es qui, toi? Je m'appelle Walter et je viens de te sauver la peau. Il reste encore quelques survivants en ville, mais plus pour longtemps. Prends ça. Fais gaffe, ils nous suivent. Il est plus rouge, lui. C'est quoi, il est en colère? Les overdosés, c'est ça. Ils sont tous à toi. Montre-moi ce qu'il y a dans le ventre. Comment ça? Montre-moi ce qu'il y a dans le ventre. Aide-moi! Non, tu t'en sors bien. Continue. Arrête de me juger et aide-moi! Pas mal. Retrouve-moi sur le terrain de basket. Pourquoi? Pour que tu puisses me juger encore plus? Attends, c'est où le terrain de basket? C'est là en dessous? Alors, en vrai, c'est carrément par là. Bon, on est vraiment en mode tuto là. C'est quoi ça? Un test? Oui, c'est un test. J'ai déjà eu affaire à des survivants. Alors maintenant, je me méfie des casse-couilles. Oh, il y a un mec au Ces sol. cadavres là-bas, c'était l'un d'eux? Hé, le mec AB! Dis-moi ce qui m'attend. Ouvre cette caisse. Quoi? La caisse, pète, ramasse le flingue. Maintenant, sors ton nouveau flingue. Un lance C'était disque. Ah, ça ça le lance des test? vinyles. Fastoche!
papy. Attends ici. Oh non, il va en attirer. Prépare-toi, les overdosés arrivent. De l'overdosé? Le petit nom des buveurs d'overcharge. Mon pote Floyd dit que l'overcharge a bousillé leur système endocrinien. Je vais jeter un peu d'overcharge sur le terrain. Prépare-toi pour le test grandeur nature. Joue au ballon. Les overdosés sont accro à ce truc. Ils vont vite rappliquer. Ils arrivent. C'est vrai, c'est de la merde là, son truc, son arme. Tu bouges encore? C'est bon signe. Suis-moi. Il est où? Ouais, je peux dunker en vrai. Mais vous comptez me rendre de la vie ou pas? Les flics, le GIGN et l'hélico de la télé, hein? Réveille-toi, camarade. Fisco contrôle tout. On devrait pas demander de l'aide, plutôt? C'est pas possible. Fisco a coupé toutes les communications vers l'extérieur. Mais j'ai un plan. C'est à cause de Fisco, ça? Ils n'ont pas fait exprès. Mais ils ont fait un putain de bon boulot pour étouffer l'affaire. Le reste du monde pense que nous sommes tous morts à cause d'un virus. Allez, faut qu'on avance. Bah, je te suis, hein, papy. Lui, c'est Bob Dealer. Bob Dealer. Et pas seulement, attention. Je suis un excellent artisan. Je fabrique des trucs de ouf. Allez, vas-y. Achète une arme. Alors, arme. Dirty Harry. Oh là là. Attendez, juste un truc. J'ai pas vu. Ça coûte quoi? Ah, ça coûte 10 canettes. Ok, moi j'en avais 4. Nouveau crash acide. Ça coûte 6000. Le frigo bombe. C'est quoi ces armes? Ok. Les munitions, il n'y a pas. Reviens avec plus d'overcharge. Ça marche. Mais c'est quoi l'intérêt de la monnaie que ce soit de l'overcharge? Bah, je te suis, hein, papy. Toi qui traînes. Moi, j'ai joué à Jet Set Radio. Hey, c'est qui ça? Notre nouveau partenaire. Ah ouais? Salut, moi c'est Floyd. Scientifique inconscient. Des intrus. Ah, il y a des humains bandits. Tireur scab. Ah, mais eux sont armés. Continue. Tu sais ce que tu fais. C'est ah, ok. Qui, c'est type des scabs. Des salopards qui te tirent dessus juste pour le plaisir. Un conseil quand tu vois un scab. Tire le premier. En gros, tu es en train de me dire que je dois être un scab pour les scabs, c'est ça? Vas-y, sors d'ici. Et pense à grinder le plus haut possible et à sauter partout. Si tu bouges pas, ils vont te bouffer. Grind ont rebondi pour éviter leur tir. Ah,
Ok, reviens maintenant. Je sais jouer au sol aussi. Mais c'est vrai quoi, il faut jouer en mode grind. Ça, il va falloir avoir ce réflexe. Des munes, je pense que ça se prend. Par contre, je peux pas voir mon... Je vais sur le pont routier faire bosser notre nouvelle recrue. Bon, il me faudrait plus de matos, là. Dirige-toi vers les rails, je t'expliquerai plus tard. Quoi, toute seule ? Écoute, je sais que c'est pas vraiment la joie dehors, mais c'est une question de point de vue, tu vois ? Si tu te dis que tu vas t'éclater, alors tu vas t'éclater. J'ai pas raison ? Bon, c'est clair que ces putains d'overdosés rigolent pas. Gaffe à ton cul. Alors, récupère 10 pièces de cuve pour Floyd. Mission Prime. 1000. Ah ouais, 1000 dollars égale 1000 overdoses. Bah, je préfère la thune en vrai. C'est quoi ça ? Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer quand même qu'on est dans un monde ouvert et que, en fait, on va dire, on va faire ce qu'on veut. Hein. On a dépassé le temps, voilà, c'est fini pour ce premier épisode, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vais me faire un petit retour sombre, voir un peu ce que ça donne tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Je vais me faire un petit point pour voir niveau voix, etc., ce que ça donne, si je dois augmenter ou non. Faudra que je regarde un peu. Là, on est au début, les prémices, on se lance. C'est possible que je fasse une partie du jeu un peu en off, une fois de temps en temps, pour tout ce qui sera secondaire, hein, un peu comme on avait fait avec Spider-Man ou d'autres jeux de ce type. Je vais pas vous faire certaines missions ou défis en boucle, ça sert à rien. On va se concentrer vraiment sur l'histoire et puis avancer le plus possible au niveau de map et autres joyeusetés que le jeu pourrait nous proposer. En tout cas, pour l'instant, c'est sympa, il va falloir maîtriser le gameplay, je pense que ça va être ça le plus important. Apprendre à tirer et se déplacer en même temps, c'est pas évident. En tout cas, de prime abord, c'est pas si simple que ça, même si on se déplace quand même assez aisément. Et ça, c'est plutôt cool, c'est assez intuitif. Encore quelques petits réglages à faire et on pourra voir si on peut faire mieux. Allez, je vous laisse ici. Voilà, c'est notre let's play de la rentrée, hein, même si on commence un petit peu plus tôt. Pardon, je m'étouffe. Non, voilà, donc ouais, c'est notre petit let's play de la rentrée. On va se faire ça tranquillement pour se finir l'été et puis s'avancer vers l'automne avant de préparer un gros let's play pour plus tard. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis, portez-vous bien.